Bonjour, je suis Grégoire Dibert, l'un des trois cofondateurs de Winter Mushroom. Winter Mushroom, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une solution de publicité digitale qui va être en mesure de passer le bon message à la bonne personne et au bon moment. Alors pour cela, on analyse les traits du visage de façon anonyme et on détermine si les gens sont des hommes ou des femmes et un âge apparent. À partir de ça, on va être en mesure de proposer la publicité qui est la plus à même d'intéresser la personne qui finalement va passer dans le magasin devant la pub. Alors le bénéfice pour le retailer, ça va bien sûr être de mettre en avant son catalogue de façon très large et très dynamique, donc il n'y aura pas beaucoup de pression pour les clients. C'est une publicité ciblée finalement, mais sans utiliser les données personnelles, à l'instar de Facebook ou Google. C'est complètement transparent et compatible RGPD. De cette manière, du coup, il va pouvoir mettre en avant son catalogue de façon assez large, le tout sans mettre beaucoup de pression publicitaire. Et il va pouvoir mesurer l'impact de sa publicité, puisqu'on prend aussi la mesure du temps où les gens regardent. Donc, c'est-à-dire que je prends un exemple au supermarché, le directeur de magasin dit « je vais vouloir vendre du Coca-Cola » par exemple, et je pense que le Coca-Cola s'est vendu aux hommes entre 15 et 18 ans. Je fais du cliché. Hein. Et bien, le directeur de magasin donc, va choisir un visuel, on va le mettre dans le système et la borne ne montrera qu'aux hommes entre 15 et 18 ans. Et il pourra ensuite voir via un reporting sur internet je sais pas, 250 hommes entre 15 et 18 ans ont regardé sa pub de Coca-Cola pendant quelques secondes. Et ainsi, il pourra mieux appréhender la réaction de son public pour la publicité et éventuellement affiner la connaissance de son audience et affiner sa façon de communiquer avec les clients de son magasin.